Zaya Ishbouden, je suis maire adjointe déléguée à l'éducation. Et je suis ravie d'être ici. Je remercie tout d'abord Akane pour son invitation. Je tenais tout d'abord à remercier d'abord tous les parents, parce que sans vous, on ne peut rien faire. Sans votre soutien et votre accompagnement, voilà, il est précieux pour vos enfants. Donc je sais, il y a des choses que je sais quand même. Je sais que ça a été un travail depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Ça a été des ateliers tous les dimanches. Vous êtes une trentaine d'enfants et de jeunes qui avez participé à ce beau projet. Alain Vidal, directeur de l'association Études Plus. Aujourd'hui, on a organisé notre 9e édition du Festival de la Science. On a mis en place aujourd'hui 15 expériences scientifiques et ludiques, mais les enfants, ils ont pu découvrir, grâce à notre club Science, plus d'une cinquantaine d'expériences. Le but, c'était déjà éveiller leur curiosité scientifique, faire en sorte de savoir comment ils doivent faire des recherches. On leur a donné une feuille de route. Ensuite, on a travaillé avec eux la prise en parole, qui veut dire comment ils doivent articuler, comment ils doivent argumenter, comment ils doivent convaincre le public. Parce que tout à l'heure, il y aura les lauréats des trois expériences qui ont le plus de votes. Et ça leur permet aussi de travailler la citoyenneté, qui veut dire pour avoir des voix. C'est quoi des voix, pourquoi voter, et ensuite comment convaincre le public pour voter. Mehdi Bigadern, je suis adjoint au maire en charge de la vie associative et la politique de la ville et des centres sociaux sur la ville de Clichy-sous-Bois. C'est encore un vrai plaisir pour moi de participer à cette énième. Il y a une reprise, il y a eu une coupure par rapport au Covid et je suis vraiment très heureux que ça reprenne. Je vois le sourire sur le visage des enfants, ça donne du boum au cœur. Et je voudrais remercier l'association Études Plus d'organiser cet événement autour des sciences. C'est malheureusement une pratique qui est pas trop sexy pour nos enfants, notamment à l'école. Mais du coup, de le faire de manière ludique comme ça, ça fait découvrir. C'est vrai que ça sensibilise les enfants, mais aussi les adultes que nous sommes. Moi, je me suis amusé à faire le tour des stands. Bonjour, moi je m'appelle Marc Giraudet, je suis service civique cette année à Études Plus. J'ai eu deux rôles, j'ai eu un rôle de professeur de mathématiques, donc vraiment en tant qu'enseignant, et j'ai eu un rôle plus organisation, au niveau justement de l'organisation de la fête de la science. Moi je me suis occupé surtout de ce qui était expérience des enfants, si je puis dire. C'est moi qui ai tenu ce qu'on appelait le club science, c'est-à-dire le club, si je puis dire, où les enfants venaient, faisaient l'expérience, pratiquaient l'expérience et choisissaient celle qui présentait le jour de la fête de la science. Et on a senti quand même que ça avait beaucoup apporté aux enfants. D'un point de vue curiosité, typiquement le club science s'est déroulé en deux parties. Sur la première partie, c'est moi qui leur montrais des expériences qui n'avaient rien à voir. Et sur la deuxième, c'est eux qui choisissaient leur expérience et on s'entraînait dessus sur la prise de parole. Du coup, vis-à-vis de la façon dont les élèves ont vécu cette fête de la science, bon, je ne peux pas répondre à leur place bien sûr, mais l'impression que j'ai eue, c'est vraiment un sursaut de motivation, un sursaut d'investissement, si je puis dire. Et on en a redécouvert certains complètement passionnés par leur expérience, qui faisaient des allers-retours sur les points d'eau, qui demandaient de l'aide à gauche, à droite, etc. Et ça a été vraiment très agréable de voir ces élèves comme ça. Remercier l'association Études Plus de son invitation. Enfin, traditionnellement, tous les ans, on tient ce festival et c'est pour nous très important en fait
que d'accueillir en fait un événement comme celui-ci, parce que la science, très souvent, on le met de côté et on pense que c'est pas important. Et dans la vie quotidienne, à travers toutes les expériences que vous nous avez montrées, on voit combien ça peut être important de connaître en fait les rapports entre les différents organes. D'abord, je voulais remercier vraiment tous les élèves de votre participation. Je crois qu'on peut les applaudir. Arrivée numéro 3 et le numéro 6. L'expérience qui va obtenir la récompense en argent et le numéro 3. Pour le grand gagnant du Festival des sciences 2022. Et le, en plus, c'est la 9e édition et ça sera le numéro 9.